Donc nous avons choisi de participer à ce projet qui était proposé par la communauté de communes de Lusignan pour permettre aux enfants de découvrir l'opéra. À l'école de Lusignan, 4 classes participent à ce projet. Nous avons travaillé depuis le début de l'année scolaire de deux façons, avec des séances dans la classe de découverte de l'opéra animée par Sarah Vesset, chanteuse d'opéra, et en travaillant les chœurs d'opéra et en allant chanter de façon régulière avec M. Christophe Bujon. Depuis quelques années maintenant, enfin ça va faire 3 ans cette année, le festival des soirées lyriques a entamé une démarche pédagogique auprès du milieu scolaire, en fait, que ce soit primaire, collège et lycée, pour une sensibilisation générale à l'opéra et à l'art lyrique, qui, à mon avis, est un vrai type de spectacle vivant. Alors, je vous refais, le piano va jouer 6 accords, une mesure plus les deux temps de la mesure d'après, ça écoutez bien. Je crois en tout cas que les jeunes et les parents n'emmènent pas forcément les enfants comme ça, instinctivement, voir ce type de spectacle. Donc cette année, en fait, 18 classes, donc ça va de CE1 à terminale, ont été sélectionnées. Avec la garde, nous arrivons, nous voilà, dans le trompette, dans le